Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve du coup pour un glitch en solo. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 25 100 abonnés, c'est juste énorme. Go Rush, du coup, les 25 200 abonnés. Donc du coup, pour commencer ce petit glitch, vous devrez commencer par être en session sur invitation comme moi, avec un mode de visée libre, ok? Donc vous devrez aussi avoir un appartement de PDG. Donc on va sur le site internet, après du coup on va dans argent et services, on clique sur Dynasty 8 exécutif, après on clique sur accéder au site. Et du coup là il faudra avoir un appartement de PDG, donc peu importe l'appartement, donc ils marcheront tous, ok? Donc par exemple moi j'ai pris donc lui, voilà. Et du coup il faudra avoir dans l'appartement de PDG donc un garage, ok? Et du coup dans le garage, donc très important, il faudra que vous ayez l'atelier, ok? Donc pour pouvoir après du coup enregistrer vos duplications dans le jeu, donc l'atelier est très important, donc pour pouvoir après donc enregistrer vos véhicules dans le jeu. Ensuite, du coup, vous devrez avoir un bunker, ok? Et dans le bunker, vous devrez avoir un centre d'opération mobile. Et du coup, dans le centre, vous allez mettre un véhicule à perdre. Donc, vous allez mettre par exemple une Elegy RH8, ok? Vous devrez du coup aussi avoir un véhicule à dupliquer. Donc, moi, pour ma part, je prends la ici anticipation, ok? Car du coup, c'est le véhicule qui se revend le plus cher, ok? Donc, voilà. Vous devrez du coup avoir des encas, donc on fait le pavé tactile. Inventaire, encas, et du coup là il faudra acheter le max de pissoisseurs, ok? Donc c'est les bières, on achète le max de pissoisseurs, donc pour après donc mourir dans le glitch. Donc une fois donc tout ceci préparé, c'est parti, let's go. Allez hop, donc là pour commencer on va dans le bunker, après du coup on rentre dans la remorque du centre, et une fois rentré dans la remorque du centre, là vous allez rejoindre une première fois un mec qui est en mode de visée différent du vôtre. Donc par exemple dans ma communauté à moi qui s'appelle NeoGamer, là vous allez accepter le premier message et refuser le second message comme moi. Ensuite là on monte dans la Elegy RH8. Là vous allez attendre que le moteur soit bien allumé, ok? Une fois avoir fait ça, là du coup on fait le bouton start en ligne et on clique sur le pack d'entrée. Donc hop, là on va dans pack d'entrée. Ensuite du coup on met le curseur sur acheter. Et là vous allez faire une petite manipulation. Donc écoutez-moi bien attentivement. Là du coup on clique sur le bouton acheter. Et directement après on fait le bouton R2 et le bouton L2. Là vous aurez un écran noir. Et du coup pendant l'écran noir, vous allez faire deux fois le bouton PS et rejoindre un mec qui est en mode de visée différent du vôtre. Là, vous allez accepter le premier message et refuser le second message. Et directement après, vous allez ouvrir votre pavé tactile, ok? Donc, je m'explique. On fait du coup le bouton croix, après directement après, bouton L2, bouton R2. Vous aurez un écran noir. On rejoint du coup un mec en mode de visée différent du vôtre. Là, vous allez accepter le premier message et refuser le second message. Et directement après, vous allez ouvrir votre pavé tactile, ok? Donc c'est parti, là on le fait ensemble. Du coup on fait le bouton croix pour acheter. Après directement après on fait bouton R2, bouton L2 quasiment en même temps. Là du coup vous aurez un écran noir et pendant l'écran noir, du coup on rejoint un mec qui est en mode de visée différent du nôtre. Donc par exemple dans ma communauté à moi qui s'appelle NoGamer, là vous allez accepter le premier message et refuser le second message. Et directement après vous allez ouvrir votre pavé tactile, ok? Donc maintenant là on va dans inventaire. Après dans Anka. Et maintenant là on boit du coup le max de bière. Donc les bières c'est les pissoceurs, ok? Donc voilà, on boit le max de pissoceurs. Et du coup après une fois que le joueur meurt comme moi, là vous aurez un écran noir. Et du coup avec un petit rond de chargement blanc en bas à droite. Et vous allez respawn à l'hôpital. Donc on va respawn à l'hôpital le plus proche de notre bunker. Ensuite là du coup on fait le bouton start. Et vous allez mettre un repère donc comme moi sur la map. Donc on met le repère juste ici précisément, d'accord? Donc hop, on met le repère. Et du coup là vous allez au repère que je vous ai mis sur la map, d'accord? Donc vous y allez soit en hélico ou par exemple vous allez voler avec le PNJ et vous allez vous rendre au repère, ok? Donc peu importe comment vous y allez. Une fois du coup arrivé donc au repère comme moi, là vous allez ouvrir votre pavé tactile. Après du coup on va dans véhicule imposant. Et maintenant là vous allez commander votre centre d'opération mobile, d'accord? Donc une fois que votre centre a bien spawn sur la map comme moi, là, on se dirige vers lui. Après, du coup, on monte dans le centre.
Et là, vous allez faire le même trajet que moi. Ok, donc là, hop, on roule. Après, on tourne à gauche. On va en face. Et on va au niveau du parking qui est juste en face de moi. Et là, vous allez voir que vous aurez une petite carcasse sur le parking. Ok? Donc maintenant, avec le centre, on pousse la carcasse comme moi. Après, du coup, on met la remorque du centre à la place de la carcasse comme moi. Ok? Donc, il faut que la remorque soit bien droite et pas de travers. Donc, faites attention à ça. Prenez bien votre temps. Faut bien que la remorque soit bien droite. Ensuite, du coup, là, vous allez appeler votre véhicule que vous souhaitez dupliquer. Donc, moi, pour ma part, je prends la ici anticipation. Donc, hop, là, je l'appelle, je la commande. Après, on monte dans le véhicule et là, vous allez voir la plaque. Donc, la plaque, pour ma part, elle se finit par 6, 9, vous avez vu? Hop, donc voilà. Et maintenant, là, vous allez faire un petit tour. Donc, voilà, dans le secteur, on fait un petit tour, ok? Pour que, du coup, après, la carcasse respawn sous la remorque du centre, ok? Donc, hop. Là, on fait un petit tour et on revient. Et là, vous avez vu, la carcasse est bien là. Maintenant, du coup, on va au niveau du petit rond bleu du centre. Là, avec le véhicule, on tape la remorque. Ok, boum, on tape. Après, du coup, on fait la flèche de droite et on spam, on spam, on spam, on spam, on spam son bouton croix. Là, vous aurez un écran noir et vous allez respawn du coup en session. Donc, hop, voilà. Et là, vous avez vu, boum, la plaque a changé. Maintenant, elle se finit par 9-7. Du coup, c'est bien une duplication. Et maintenant, du coup, on va se diriger vers l'appartement de PDG. Donc, hop, on rentre dans le garage de PDG. Nickel. Là, du coup, vous aurez une petite cinématique comme moi. Ensuite, du coup, une fois arrivé dans le garage comme moi, là, du coup, on va ouvrir son téléphone. On va sur le site internet. Et du coup, là, vous allez commander une Allegi RH8 et la mettre, du coup, dans votre centre d'opération mobile. Ok, donc, hop, là, on commande. On choisit une couleur. Tac, nickel. Après, du coup, on commande et on met dans le centre. Ok, donc, une fois avoir fait ça. Après, on remonte du coup dans la ici anticipation comme moi. Donc, hop, on remonte. Après, du coup, on fait la flèche de droite pour modifier le véhicule. Là, vous aurez un écran noir. Après, du coup, vous aurez une petite cinématique comme moi. Et ensuite, on va spawn dans le menu pour modifier le véhicule. Après, du coup, là, on va dans plaque, ok. Et dans plaque, on change la plaque, ok. Donc, hop, on change la plaque, nickel. Après, on fait le bouton rond et on quitte l'atelier. Hop, nickel. Et du coup, maintenant, pour en faire d'autres duplications, c'est hyper simple. Là, du coup, on retourne au niveau du centre qui est là-bas, hop, et on fait la même manip qu'avant, ok, donc voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner, grâce du coup les 25 200 abonnés. En tout cas, moi je vous laisse du coup sur ce gameplay, donc sur ces images. C'était Néo, allez, ciao! Barrage.